Coucou, mes petits chéris. Les jours passent vite, hein, parce que nous revoilà pour les énergies de la semaine. Écoutez, j'espère que vous allez tous, tout très très bien. Et écoutez, moi ici, ça va, hein, il n'y a pas de souci. On va regarder tout de suite les énergies donc, de la semaine à partir du lundi 18 juillet. Donc là, j'ai tiré avec un jeu de cartes que j'ai depuis la nuit des temps et je ne me sers jamais. Je me suis dit que pour avoir l'énergie de la semaine, ça devrait bien le faire. Et là, comme quoi c'est vieux, il nous parle de lettre agréable. Donc, vous n'allez peut-être pas forcément recevoir une lettre, mais un message, un SMS, sur votre boîte mail, un message agréable. Et donc ça, c'est pour dans la semaine, vous risquez d'avoir des nouvelles agréables. Et le dos de deck, c'est un cadeau, une petite somme d'argent à recevoir. Eh bien, pourquoi pas, on est prêt. Hein. Il n'y a pas de souci, je crois que tous, autant que nous sommes prêts. Donc, qu'est-ce qui va être agréable cette semaine? Lundi. Lundi, créer de l'impact. Alors, lundi, moi, je dirais qu'on va, on devient fort. On chasse la peur qu'on a en nous. On ose s'affirmer. On ose parler. On ose avancer. On est, voilà, on n'est plus, on oublie tout ce qui nous gênait, tout ce qui revenait en permanence dans nos têtes et qui nous empêchait d'avancer. On est prêt. Trompe en avant, je ne sais pas si vous voyez, il y a un éléphant, donc on fonce, on y va. C'est bien lundi, au boulot ou autre chose, vous allez peut-être pouvoir exprimer quelque chose que vous ne viez pas. Hein. Je vois presque, ou voir quelque chose que vous n'osiez pas regarder. Je vois tout ça là, je vois un œil, je vois aussi un petit peu le yin et le yang. Vous n'allez plus avoir peur de votre pardon, vous allez l'assumer et vous allez foncer. C'est bien. La connexion, du coup, mardi, comme vous affirmez, vous êtes en pleine connexion avec vous-même ou avec un... Le petit foulard qui monte en cœur avec l'univers, vous êtes en accord, vous êtes en pleine connexion et en accord avec vous-même, avec ce que vous pensez, ce que vous faites, avec ce que vous dites. Ça, c'est parfait. Et mardi, une belle journée qui arrive. Mercredi, qu'est-ce qu'on a mercredi? L'art de s'unir. Alors, mercredi, je dirais que vous allez avoir des réunions d'amis, il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup d'amour dans cette communion-là d'âme. Le soleil, la lune sont au rendez-vous. Je dirais que vous allez faire peut-être une petite fête entre amis ou vous allez vous réunir gentiment comme ça. Ou, voilà. Mais vous allez rencontrer du monde mercredi. Et tout ça en accord. Ben oui, vous allez peut-être recevoir un message, un SMS en disant « Tiens, tu viens, on va boire l'apéro, par exemple. » Pendant les vacances, il ne faut pas vous gêner. Alors, je dis le temps inexplicable. Je dis, moi je dirais, ne remettez pas au lendemain. Le temps, c'est on est ici et maintenant. On n'est ni hier ni demain. Posez-vous un petit peu jeudi et profitez de l'instant présent. C'est pareil, hein. Ça va être une semaine où il va y avoir de l'amour parce qu'il y a des cœurs sur toutes les cartes là.
Ben oui, vous allez avoir une nouvelle agréable, donc c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Belle semaine qui s'annonce. La connaissance. Alors, grâce à tout ce que vous avez vécu en début de semaine, vous avez la connaissance de votre corps. Mais c'est aussi peut-être, vous avez peut-être des réunions pour vous, c'est possible, oui, une réunion comment je pourrais dire, pour vous enrichir votre connaissance, la connaissance bon, là, on vous montre un arbre, c'est bien s'enraciner. Mais ça peut être aussi la connaissance de votre intimité. Ça peut être la connaissance au niveau du travail. Vous allez peut-être avoir des réunions pour vous remettre en mémoire. Voilà. Des connaissances. Et il y a encore un cœur, hein. Je crois qu'il y a à peu près que sur la première carte qu'il n'y en a pas. Il y a encore que je cherche, mais je crois. Il y aura encore quelque chose d'agréable vendredi, hein. Vous allez apprendre quelque chose. Samedi, la richesse des expériences. Eh bien oui, ça continue bien du vendredi. Là, vous avez, comme vous avez appris, vous êtes en pleine connaissance, vous allez vous trouver riche. Alors, riche ne veut pas, si, puisque là, ils disent on risque d'avoir une petite somme d'argent, mais ça peut être riche de ce qu'on vient d'apprendre, riche de ce qu'on a, riche des amis qu'on a, riche. On peut être riche de beaucoup de choses, hein, de tous les messages qu'on peut recevoir. De tout ce qu'on a pu faire avant, qui nous ont fait avancer, on se sent beaucoup plus fort, avec beaucoup plus de connaissances, donc on se sent beaucoup plus riche. Et il y a encore un arbre comme ce vendredi, un arbre qui pousse. On a planté la bonne graine, ça pousse. Bah, dis donc, Et dimanche, l'énergie d'action. Alors, avec tout ça, dimanche, vous êtes prêts à remuer tout dans la cabane, on dit. Vous allez passer à l'action. Encore peut-être planter quelque chose, des graines, mais là, vous avez la connaissance pour faire et aller. Je vous dis, c'est possible que vous ayez envie de faire du ménage, que vous ayez envie de bouger, d'aller voir quelqu'un, de sortir, de faire du sport. Et dimanche, vous y allez, hein. C'est tout bon pour vous. Ben, c'est une belle semaine, hein. Là, franchement, il nous arrive une belle semaine et c'est tant mieux, tant mieux. Alors, là, avec les accords Toltec, ils nous disent pour la semaine, j'accepte de ne rien faire aujourd'hui. Donc, ce ne sera déjà pas le dimanche. Hein. J'observe, on est en plein dedans là, j'observe que le fait de me sentir libre et détendue m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. Donc là, si vous êtes dans le temps où il faut se poser, comme il nous en parle, ne vous jugez pas paresseuse ou ne vous critiquez pas. Vous allez du coup, voilà, vous apprendre mieux, avoir plein d'expériences et pouvoir passer à l'action. Oh, vraiment, c'est génial les cartes. Donc ne vous jugez pas hein, cette semaine. Acceptez. Et puis j'ai eu envie de compléter.
avec toujours celui qui me parle tant, les réponses angéliques. Abondance. Ah, ça serait bien, au lieu d'avoir un tout petit peu d'argent, peut-être en avoir beaucoup, ça sera encore mieux, hein. Eh ben, donc de l'abondance, hein. Effectivement, il y a de l'argent, mais l'abondance, ça c'est comme la richesse des expériences, hein. C'est tout, l'abondance, on a. Et là, on est vraiment connecté avec l'univers, avec la source. Donc, on obtient encore plus. À mon avis, faites des demandes cette semaine, hein. On risque de vous entendre, hein, là. On est sur une belle semaine. Vous aurez de bonnes nouvelles. Et l'autre, de grands changements positifs. Ben voilà, hein, je vous dis. Donc, si vous avez des demandes à faire à l'univers cette semaine, hein, je pense que vous serez entendu puisque vous aurez fait le bon parcours tout au long de la semaine pour obtenir quelque chose. Il y aura des changements dans votre vie. Peut-être effectivement avec de l'argent, mais peut-être autrement, avec des nouveaux amis, avec un nouvel emploi qui va être plus rémunérateur. Bref, la vie vous sourit. Cette semaine-là, souriez. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous faire des gros câlins et je vous dis à tout bientôt et merci encore. Merci aux nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires, pour vos gentils mots, pour toutes vos gratitudes. J'accepte. Merci, merci. Allez, à tout bientôt.